Dans Le Diable s'habille en Prada, Andy Sachs, incarné par la magnifique Anne Hathaway, vit une histoire d'amour avec Nate, joué par Adrien Grenier. Dans La Brève Vie, la comédienne est casée depuis 15 ans avec le même homme, Adam Schulman, également le père de ses deux enfants. Ce jeudi 21 septembre, les téléspectateurs de TF1 vont pouvoir redécouvrir le génialissime film Le Diable s'habille en Prada. Réalisé par David Frankel et sorti en 2006, le film met à l'honneur Meryl Streep, qui incarne la terrifiante et glaciale Miranda Priestly, rédactrice en chef du prestigieux magazine de mode Runway. Un film 100% girly et feel good, qui se situe à New York et à Paris et qui est l'occasion d'assister à l'évolution d'Anne Hathaway dans le rôle d'Andy Sachs, embauchée pour être l'assistante de Miranda Priestly. Si dans Le Diable s'habille en Prada, le personnage d'Anne Hathaway est en couple avec Nate, Adrien Grenier, dans La Vraie Vie, elle n'a Dieu que pour son époux Adam Schulman. Un homme qu'elle a rencontré en 2008, après avoir vécu une histoire d'amour avec Raffaello Folieri. Je savais à la première seconde où je l'ai rencontré qu'il était l'amour de ma vie, confiait l'actrice. Son époux a permis à Anne Hathaway d'avoir une vie beaucoup plus posée que lorsqu'elle était en couple avec Raffaello Folieri. Il a changé ma capacité à être confortablement installée dans le monde. Je pense que si est acceptable maintenant de dire qu'en tant que femme, nous n'avons besoin de personne. Mais j'ai besoin de mon mari. Son amour m'a changé, affirmait Anne Hathaway auprès de Elle en 2017. Mon mari s'est évertué à me faire rire. Le couple s'est marié le 29 septembre 2012. Ensemble, Anne Hathaway et Adam Schulman ont deux enfants. Le premier, Jonathan Rosebank, est né le 24 mars 2016. En novembre 2019, le petit Jack est venu agrandir leur famille. Âgé de 40 ans, Adam Schulman est connu pour avoir joué le rôle de Enos Stratt dans Sheriff, Fais-moi peur, Naissance d'une légende. À l'inverse de sa célèbre épouse, il n'a pas un nom très reconnu dans le monde du cinéma. En revanche, s'il y a un domaine où Adam Schulman excelle, c'est dans les bijoux puisqu'il est le créateur de la marque James Bag Design. Sa plus grande qualité? L'humour. Nous avons tous les deux réussi à prendre cette période avec un peu d'humour. Mon mari s'est évertué à me faire rire très régulièrement pour faire atténuer les moments difficiles. Grâce à cette force, notre couple est devenu plus solide et notre union plus inébranlable, affirmait l'actrice auprès de Closer le 9 avril 2021. Un couple qui, 15 ans après, s'aime comme au premier jour.